Faut que j'arrête, ça me fait trop chier. C'est fini, je raccroche. Tu dis ça à chaque fois, la même chose à chaque fois. J'en ai marre, c'est fini, ce boulot de merde, je raccroche. Oui, mais là, c'est différent. Ok, c'est différent. En quoi c'est différent? Eh ben là, je vais demander une rupture conventionnelle d'un CDI. C'est fini, je te dis. Mais c'est quoi ça? De quoi, comment ça, c'est quoi ça? Bah ce... conventionnel? Conventionnel, rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée. C'est un accord à l'amiable entre... Ah, c'est mignon ce que tu dis. L'employeur et le salarié qui permet de mettre fin au contrat de travail. Du café, il est vraiment dégueulasse. Oui, merci. T'es mignonne toi aussi. T'as un 06? Donc je disais, il y a une procédure à respecter, comme par l'établissement d'une convention homologuée. C'est un bon moyen de quitter l'entreprise avant la fin de son contrat, sans faire des histoires de démission et tout ça. Ça comprend des garanties entre le salarié, et ça lui ouvre droit au bénéfice de l'allocation chômage. Comme ça, moi, je me tire, et tout le monde est content. Attends, je t'explique. Alors au fait, Jimmy, j'ai un truc à te demander sur la rupture conventionnelle d'un CDI. Parce que je pensais en engager une avec mon boss, tu vois, mais j'ai pas envie d'en faire tout un psychodrame en démissionnant et tout, donc je sais pas, t'en penses quoi? Je sais pas trop. Alors écoute. J'écoute. Il y a des conditions pour une rupture conventionnelle, ok? Tu peux pas juste dire à ton boss ou vice-versa, je veux une rupture conventionnelle, t'es cool avec ça, ok, d'accord, vas-y, bye. Il y a des procédures, des règles à suivre qui sont définies par le code du travail. Et on déconne pas avec le code du travail, mec. Y a du sens syndical qui a coulé pour ça, tu comprends? C'est sacré le code du travail. Attends, Jimmy, je suis un mec réglo, moi. Non, mais c'est bon, je te dis juste. Premièrement, l'employeur peut engager une rupture conventionnelle avec tout salarié, y compris un salarié protégé. Tu veux dire comme un loser CGT? Exactement, loser CGT, salarié protégé, délégué du personnel, délégué syndical, tout ben, ça. Merde. Et même des membres élus du comité d'entreprise et un médecin du travail. Chiotte. Parce que la rupture doit être accessible à tous les salariés en CDI. Tous les salariés en CDI. Non mais attends, je suis pas un fasciste libéral. Ensuite, il y a des étapes à respecter. La première, c'est le ou les entretiens entre les deux parties. Puis il y a l'homologation de la convention et après l'autorisation de l'inspection du travail qui doit valider la procédure pour être sûr que tout est en règle, tu vois. C'est très encadré la rupture conventionnelle. Ça veut dire qu'il y a un formulaire CERFA à remplir. C'est chiant le CERFA. Mais c'est super important les CERFA. C'est ce formulaire qui permet à la convention d'être homologuée par l'autorité administrative compétente. L'autre truc à savoir, c'est que cette procédure peut être engagée à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Et dans les deux cas, elle doit se faire d'un commun accord. Elle peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties. C'est plus clair maintenant, toute cette histoire. Est-ce que t'arrives à me comprendre sur la procédure conventionnelle? Alors tu vois, le truc, c'est que la rupture conventionnelle, elle peut pas être appliquée dans certains cas. C'est-à-dire quand l'entreprise met en œuvre un GPEC, c'est-à-dire un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et aussi dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais aussi en cas de licenciement économique. Économique, mec. Ouais, mais ça peut quand même être appliqué dans le cas où ta boîte, elle est en difficulté financière, tu vois. T'es sûr? Mais ouais, je suis sûr, elle peut aussi pas être signée dans le cas d'un congé maternité, par exemple. Ça, je m'en fous, j'ai pas de vagin. Mais aussi d'un arrêt imputable à un accident de travail. J'ai l'air d'avoir deux pieds gauches. Ou d'une maladie professionnelle, ça peut arriver, ça, une maladie professionnelle, mec. Bah, comment? Bah, tu dis ça maintenant, mais on sait pas, on sait jamais. Je bosse pas avec de l'amiante, je ne sais quelle merde. Je vais bien marrer le jour où ça t'arrive. Et toi, Marvin, t'en penses quoi? Vraiment, t'en penses quoi? Moi, je m'en cogne, je suis en CDD. Ah oui, c'est vrai, les salariés en CDD, intérim ou les fonctionnaires en sont exclus. Oh, mais quel con, t'as buté Marvin! J'ai le cerveau derrière le cou, c'est dégueulasse! On s'en fout, c'est un intérimaire! Squeak, squeak, squeak! Mais squeak, c'est tes chaussures squeak, qui couinent comme ça? Bah ouais, je sais pas, c'est trop chiant, elles sont neuves. Bon alors, une condition de la rupture conventionnelle, c'est les entretiens préalables entre le salarié et l'employeur qui leur permettent de se mettre d'accord sur les termes de la rupture conventionnelle. Pas de rupture conventionnelle sans entretien préalable. Tu piges? Mais ça va, je te dis que j'ai pigé, c'est pour ça que je suis là, non? Parce que le salarié, comme l'employeur, ont le droit de se faire assister lors de ceux ou ces entretiens avant la signature de la convention. Ça devrait être un salarié de l'entreprise et même un délégué du personnel, un représentant syndical ou un membre du comité d'entreprise. Mais le salarié doit être informé de ce droit par son employeur avant la date de l'entretien. Pareil pour l'employeur. On peut pas se faire assister à l'improviste, tu comprends? C'est comme ça que ça marche. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas chez Tati Jacqueline, il y a une procédure à suivre. On est d'accord sur ce point. Bon, on y va ou quoi? Ouais, vas-y, on y va. Squeak, 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 squeak. Oh, ces chaussures, horribles. Change ta gueule. Squeak, squeak, squeak.
Tu sais pas c'est quoi une convention homologuée? Tu vas engager une procédure de rupture conventionnelle sans avoir la moindre idée de ce qu'est une convention homologuée? Non mais ça va pas dans ta tête. Ok. Explique, c'est quoi une convention homologuée? La convention homologuée doit reprendre toutes les conditions de la rupture négociée entre le salarié et l'employeur. Pour prouver du libre consentement des parties, elle doit être signée par le salarié et l'employeur. Un exemplaire de la convention doit obligatoirement être remis au salarié. À défaut, la convention est considérée comme nulle. Donc mon exemplaire, qui est dans cette mallette ici, j'y tiens beaucoup, tu vois. Je me suis tapé trop d'entretiens avec mon compte boss pour tout foutre en l'air comme ça maintenant. Ok? Donc, il n'y a pas intérêt que je te la donne. C'est ma convention homologuée. Si tu veux ta convention homologuée, et ben tu vas voir ton boss et tu fais ta convention homologuée et ta rupture conventionnelle. Vincent, arrête ces conneries, ok? C'est pas parce qu'ils savaient pas c'est quoi une convention homologuée qu'il faut les flinguer. Je vais leur expliquer tout ça, ils vont comprendre, ils sont pas bêtes. Alors qu'est-ce que vous savez du formulaire CERFA numéro 14-598-01? Hein? Qu'est-ce que vous savez du formulaire? Je connais pas. Et toi, tu connais le formulaire CERFA? C'est quoi un CERFA? J'ai trop envie de pisser, faut que j'y aille. Un CERFA, c'est un formulaire réglementé de l'administration. Ceux avec les petites cases chiantes à remplir. Tu vois de quoi je parle? Ouais, j'aime pas les petites cases. J'écris toujours trop gros. Ou aussi le bleu quand il demande un noir. Exactement. Et tu sais à quoi ça sert un CERFA? À homologuer la convention. Ouais. Non, je comprends pas. Non. Ça veut dire que la convention est jugée conforme par l'autorité administrative. Et si t'as une écriture de chiottes ou que t'as pas de stylo noir sous la main, tu peux toujours utiliser le service en ligne TéléRC, qui permet de faire la procédure d'homologation en ligne. Ça, c'est mon mot de passe. Bad motherfucker. Mais on s'en fout, peu importe. En l'absence de réponse dans les 15 jours ouvrables après son envoi, la convention est considérée comme homologuée. Le contrat prend fin sans préavis. La sortie des effectifs de l'entreprise se fait au lendemain du jour de l'homologation de la convention. Est-ce que t'as bien compris maintenant? Ouais. Nickel. Ok, j'ai compris. Bon, eh ben, je crois que mon boulot ici est fini. Oh, bébé, c'est bon ça, la rupture conventionnelle. T'es pas heureuse là? Ah, tu sais comment je me sens? Donc, libérée, comment tu sens? Libérée, délivrée, comme la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est quoi ça? C'est pas la nouvelle dope de Disney? Mais non, voyons, c'est super. Je sais pas, j'ai arrêté de suivre ce qu'ils ont à partir du Roi Lion. C'est le seul film Disney qui se va, je te le dis, moi. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant, alors, après ta rupture conventionnelle? Je danse pour fêter ça. D'ailleurs, t'es mignon, toi. T'as pas un 06?